Madame et madame, il n'y a pas de vrais hommes ici, hein, mais bon, c'est pas grave. Madame et moi, Mana et moi, on va vous expliquer ce qu'il faut faire pour voir des requins, des sharks, des squales, des morts. Oui, today. Today. Nous allons voir des requins. On va aller nourrir les requins. Non, Mana, pas nourrir les requins. Les nourrir, c'est interdit. Nous allons juste les voir. Oui, mais les requins, ils peuvent avoir faim aussi. Hein? Ouais. Voilà, ça c'est dinosaure ça. Avant d'aller voir les requins qui sont derrière moi, hein, il faut savoir et connaître le requin. Lesson 1, qu'est-ce qu'un requin? Mana, position. Quoi? Moi? Mais je sais pas faire le requin. Mana, tu sais faire la tortue. Oui. Donc tu sais faire le requin. Voilà. Okay. Le requin, c'est simple. Il a une nageoire dorsale. Mana, j'ai dit dorsale, pas tétale. Voilà. Ensuite, il a des bronchies pour respirer. C'est bien. Ensuite, il a des nageoires sur les côtés. Pour s'équilibrer. Il nage, le requin. Il nage. Mana, le requin nage pas le crawl. Ma'an, le requin nage sous l'eau et se dandine comme une anguille en douille. Voilà, ensuite il nage vers les touristes et il tourne autour de lui. C'est là qu'il vous mange. Ma'an, Mana, les requins, ça mange pas les hommes. Eh oui, je sais, on peut rigoler. Hein. Ouais, on peut rigoler, mais il faut faire attention quand même. Hein. Au secours! Voilà, c'est l'heure fatidique. Listen to. Comment se comporter dans l'eau avec les requins? C'est simple, voilà. Vous allez voir une corde dans l'eau. Vous allez nager vers la corde. Vous allez tenir la corde. Surtout, ne passez pas derrière la corde. Hein? Ne tournez pas autour de la corde. Passez ni en dessous et ni au-dessus. Bon, maintenant vous savez tout. On peut y aller. Non, ça va aller. Je vais. Oh, regardez, un crabe. Oh, des jolis crabes. Mana, c'est bon, elle est partie. Viens, on y va. Mana! Ah, mais toi. Tout ce qu'il faut pas faire, tu le fais. Ben, c'est bien. Voilà. Allez, s'il te plaît. Attends, les requins.